Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau nail art et aujourd'hui je vous propose un grand classique du nail art estival qui est le nail art à motif marin. Alors j'applique sur mes ongles comme d'habitude ma base de Kiko et ensuite je vais venir appliquer deux couches de vernis blanc. Ensuite, je vais prendre du stripping tape et je vais en découper plein de petits bouts. Et ces petits bouts, je vais venir les coller à l'horizontale sur mon ongle. Et je vais en coller trois de manière parallèle, sauf sur mon annulaire où je vais recouvrir tout l'ongle de stripping tape. Je précise qu'en collant les bandes de stripping tape, il y a quelque chose à faire, c'est de bien faire attention qu'elles soient bien plaquées sur l'ongle, de manière à ce que quand on mettra le vernis après, ça ne coule pas en dessous, parce que ce serait dommage, ça risquerait de baver. Alors justement, on va appliquer notre vernis bleu, donc celui-ci c'est un vernis de Kiko, et je vais remplir l'ongle en dessous des stripping tape, à même le pinceau du vernis. Et tout de suite après avoir appliqué le vernis, j'enlève mon stripping tape et voilà, j'ai mes rayures. Et voilà pour les rayures. Alors ensuite, j'avais envie de faire un petit cœur sur mon annulaire. Donc pour cela, j'ai pris un vernis rouge et un gros dotting tool. Et donc avec ce dotting tool, j'ai fait deux gros points de vernis rouge. Et ensuite, avec un pinceau, j'ai étiré le vernis pour faire une petite pointe. Et voilà. Ensuite, sur les autres ongles, on va mettre des petits studs. Donc ici, on va mettre ces petits studs dorés, tout ronds, tout mignons. Et on va les fixer sur l'ongle avec une petite couche de top coat. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à appliquer notre top coat. Donc ici, comme d'habitude pour moi, c'est le top coat poché que vraiment j'adore, qui est à mes yeux le meilleur top coat à séchage rapide du monde entier. Oui, rien que ça. Et je vais en mettre une grosse goutte que je vais étirer du bout du pinceau pour ne pas risquer d'abîmer le motif qui est en dessous. Et voilà, j'espère que ce nail art vous plaira et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, rejoignez-moi si vous voulez sur Snapchat ou sur Instagram.